Je m'appelle Jemadari Vibikilkilele. Je vous reviens quelques jours après qu'une messe noire, libellée commémoration du génocide, se soit passée à Kigali, la capitale du Rwanda, sous le soi-disant leadership d'un criminel patenté appelé Paul Kagame. Je veux parler de faits comme ils se sont déroulés. Monsieur Paul Kagame, le dictateur du Rwanda, a invité presque le monde entier à venir sympathiser avec lui parce que c'est lui qui veut le pouvoir et le garder pour longtemps, afin de commémorer ses 30 années de pouvoir qu'il déguise sous forme de commémoration des génocides et des gens ou de ses compatriotes qui sont morts, tués, assassinés et massacrés au Rwanda. Le monde doit savoir que ça n'a pas été une commémoration du génocide, mais plutôt ça a été une commémoration de la prise du pouvoir par force de M. Paul Kagame avec un groupe de ses fidèles qui ont massacré leurs propres compatriotes. Et ils en ont tiré de gros bénéfices et ils continuent à en tirer. Propager des mensonges, à nous forcer des mensonges et à maintenir ce mensonge qui demeure triomphant dans les têtes des naïfs, des complices et des ignorants qui ne savent pas ce qui s'est passé ou qui ne veulent pas savoir ce qui s'est passé. Et pour bon souvenir, j'avais dit que les deux premières guerres mondiales qui se sont passées, 1914-1918, 1940-1945, ont emporté beaucoup d'individus, beaucoup d'innocents. Au fait, on ne pouvait même pas parler de la guerre ou des guerres mondiales parce que ce n'était pas la guerre des Africains ni des Asiatiques. C'était la guerre des Européens entre eux-mêmes. Et la deuxième guerre, surtout, était la guerre des trois cousins et gérée par des monarchies, des gens partageant le même sang, deux frères sanguins, ils sont des consanguins, ils se sont querellés et ils ont provoqué des guerres. Il y a donc beaucoup plus de raisons qui sont cachées, qu'on n'a pas dit au monde entier, qui ont été à l'origine de toutes ces guerres qui ont emporté beaucoup de vies humaines. La guerre, c'est donc une opportunité de faire de l'argent. Paul Kagame souffre d'une boulimie politique et mentalement, il est déréglé. Il organise une messe pour se moquer des morts. Il a fait de ce génocide un fonds de commerce. Il invite le monde entier pour venir s'apitoyer au sort de Rwandais, et pas tous les Rwandais, et pas les Rwandais, mais au sort des seuls Tutsis. Au lieu que la souffrance de Rwandais soit sentie collectivement, il en a fait une propriété privée des seuls Tutsis, qu'il n'y a que les Tutsis qui sont morts. Comme quoi, les Tutsis, c'est une espèce en voie de disparition. Le monde doit s'y pitoyer et la protéger parce que les Tutsis, c'est une espèce en voie de disparition. Dans son discours qu'il a prononcé devant un aréopage des invités complices, il a eu le culot de condamner le monde entier, que le monde avait abandonné le Rwanda au moment où le Rwanda avait besoin de ce monde. Ça, c'est scandaleux. Un bourreau qui accuse les morts, qui accuse ses victimes. Kagame se moque de morts rwandais et cherche à élever la valeur d'une seule tribu, les Tutsis. Pourtant, la souffrance devrait être collective. Kagame, c'est un nazi, c'est un descendant de Hitler dans sa peau. Qu'il soit noir ou pas, mais l'esprit est le même.
Kagame se croit intouchable. Il croit que ceux qui le soutiennent vont demeurer éternels. Ils auront toujours le pouvoir. Ils ne mourront pas. Ils vont demeurer intouchables. Et lui également, ainsi, arrogamment, avec leur complicité, il sort devant les écrans, devant un aéropage, dire que le monde nous a abandonnés. Il pointe les doigts au monde. À l'époque, il avait pointé les doigts à la France. Mais pourtant, la France fait partie de ses complices. Kagame montre aux yeux du monde que les Tutsis ont été massacrés seuls. Ce qui est faux, c'est dit tâtonnement, portant la tendance à mentir, si le génocide a eu lieu. Qui en est l'auteur? Qui en est le provocateur? Qui en sont responsables ou qui en est responsable? Mais c'est Paul Kagame. Mais les gens ont vu tout ce qui s'est passé. Malgré ta méchanceté, tu n'as pas pu éliminer tous les Rwandais, tu n'as pas pu éliminer le monde entier, tu es un assoiffé du pouvoir. Il y a eu des yeux qui t'ont vu, il y a eu des oreilles qui t'ont entendu, il y a donc des témoins oculaires et auriculaires qui un jour réécriront l'histoire du Rwanda, ce qui s'était réellement passé. Et ta version ne tiendra pas la route, Monsieur Paul Kagame. Tu es un petit fou, un idiot utile que les Occidentaux utilisent pour humilier la race noire, pour humilier les Rwandais. Tu es un petit monsieur qui ne vaut absolument rien, intellectuellement, matériellement, politiquement, tu ne vaux rien. Tu es un petit fou comme ton corps l'éprouve. Regarde-moi ça. Depuis que tu as commencé à piller le Congo, toutes les richesses que tu as amassées et que tu amasses, ça n'a pas transformé ta physionomie. Tu demeures un homme laid. You're not handsome. Tu demeures un homme laid, un maigrichon, squelettique. On dirait que tu souffres de la tuberculose. Tu fais quoi avec tout cet argent que tu amasses? Tu n'as pas développé le Rwanda, c'est un pays sale. À part deux artères que nous voyons là-bas où tu construis des maisons, mais on ne le voit pas partout à travers le Rwanda. Tu continues l'œuvre des colonisateurs et de l'esclavagiste. Monsieur Paul Kagame, tu es malade mental. Le génocide, comme cela s'explique en latin, c'est le massacre d'un grand groupe de gens, un massacre programmé avec but d'exterminer un groupe d'individus, d'ethnies ou de tribus. Et je ne pense pas que le but des Hutus était d'exterminer les Tutsis. Je ne pense pas. Parce que nous devons faire très attention avec l'utilisation du mot génocide. Genos kidere. Parce que tout le monde est dans les envolées quand il s'agit de mots génocide ou holocauste. En Allemagne, oui, les Allemands voulaient exterminer ces groupes de juifs qui étaient et qui vivaient en Allemagne à l'époque. Ça, ce fut le génocide ou l'holocauste. Parce que de cause à effet, ce qui était apparent était difficile d'analyser pourquoi les nazis ont tué ou massacré les juifs. Mais les études approfondies prouvent que Hitler s'était vengé contre la communauté juive parce que la communauté juive s'était accaparé du contrôle de l'économie allemande dans tout le secteur presque en utilisant des faux noms. À part ça, l'Allemagne étant un pays protestant, puriste, beaucoup de juifs avaient transformé par exemple Berlin en un Hollywood de
prostitution, etc. Je ne veux pas entrer trop dedans parce que ce n'était pas ça le point ici. Mais comme je disais, à l'entame de ce que je disais, il y a des raisons cachées qui ont fait que la guerre est liée. Dans le cas et le contexte des Hutus et des Tutsis, je le répète, le but des Hutus n'était pas d'éliminer tous les Tutsis. Le but des Hutus était de se venger contre l'invasion des envahisseurs exilés qui avaient tué leur président, leur leader, les Hutus étant la majorité. Alors, vous pouvez analyser maintenant et conclure que ce n'est pas un génocide, c'était une revanche de la majorité contre la force militaro-tutsi qui avait envahi le pays en ce moment. Parce que depuis longtemps, bien que la majorité Hutu régnait, mais ils vivaient toujours en bon terme. Des escarmouches ne peuvent pas manquer avec les Tutsis. Parce qu'il y a eu des intramariages entre les Tutsis et les Hutus, les Hutus et les Tutsis. Ça signifie qu'il y avait une certaine harmonie. Mais, après la mort du président Juvénal Habyarimana, vous les Tutsis, envahisseurs, assoiffés du pouvoir, ayant tué les leaders de la majorité, mais vous ne deviez que vous attendre à des représailles. C'est comme ça. C'est une logique normale. Et ceux qui tuaient, oui, il y a eu des innocents qui ont perdu leur vie. Mais ceux qui tuaient visaient plutôt, et surtout, toi, Kagame, et tes amis qui étaient venus troubler la quiétude au pays. Donc, ce n'est pas tellement un génocide si l'on doit prendre, considérer le terme génocide dans le sens scientifique du mot. Hier, avant-hier, j'ai expliqué que les mots génocide, le terme génocide a été utilisé pour la première fois par un juif d'origine polonaise, monsieur Raphaël Lemkin, qui était un avocat conduisant la délégation américaine qui était venue juger les nazis lors du procès de Nuremberg. En fait, je vais dire que pendant la guerre, il y a eu beaucoup d'Européens, des Juifs qui avaient immigré aux États-Unis et qui avaient pris la nationalité américaine. Alors, Lemkin était parmi eux aussi, étant intellectuel, avocat, sur quoi il avait conduit la délégation pour venir participer, si pas juger, ceux qui avaient tué sa communauté. Il était le premier à avoir utilisé ce terme de génocide. Je ne dis pas que c'est lui qui l'a inventé. Il était le premier dans le cadre juridique à utiliser ce terme de génocide. Et avec le temps, vers 1948, donc 3 années après la fin de la guerre, les Nations Unies avaient adopté le terme officiellement et considéré que partout où il y a un groupe ethnique tribal qui est visé par un autre, pour les exterminer, eh bien, on utilisait là le terme génocide. Eh bien, les Juifs sont allés plus loin en utilisant un terme plus supérieur que ça, en utilisant le terme holocauste. Chez eux, ils appellent ça la Shoah. Ainsi, on doit faire attention dans l'utilisation du terme génocide. Eh bien, il y a eu plusieurs génocides au monde. Et hier, avant-hier, en fait, excusez-moi, j'ai donné quelques illustrations. Par exemple, récemment, il y en a eu en Chine, il y en a eu
en Yougoslavie, avant le démantèlement de Yougoslavie, à Srebrenica, quand on avait exterminé les musulmans vivant cette partie là-bas. Vous savez que après le démantèlement de la Yougoslavie, le pays du maréchal Tito a produit plusieurs pays. Ça a produit la Bosnie, Herzégovine, la Slovénie, etc., etc. À peu près 5 à 6 pays après qu'on ait démantelé la Yougoslavie. Mais il y a eu génocide, et c'est vrai. Il n'y a pas longtemps, les Namibiens ont gagné un procès contre les Allemands, après que les Allemands aient exterminé nos frères Namibiens, les Himba, et je pense les Nansa, sous la conduite d'un fou général allemand qui s'appelait général Trotta. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont gagné le procès, et je pense 2 siècles après, ou 1 siècle après. Il y a eu le génocide des Arméniens par l'Empire ottoman, un génocide qui a été reconnu presque 1 siècle après, il n'y a pas longtemps. Très chers frères et sœurs africains, que dire alors de la colonisation et de la traite arabo-musulmane et de la traite occidentale transatlantique? Vous appelez ça quoi? Ce sont des génocides, non? Les colonisateurs et les esclavagistes avaient génocidé le continent africain. Pourquoi nous ne voulons pas parler de ces génocides, mais on veut nous balancer au quotidien les génocides de la minorité Tutsi, alors que le continent africain est endeuillé depuis longtemps, et les soi-disant intellectuels et les soi-disant juristes gardent le calme au lieu de réclamer de réparation. Par contre, nous passons le temps à entrer dans les églises. Vous voyez des Africains qui se font passer pour des musulmans, des chrétiens, oubliant la maltraitance que ces hommes de couleur soi-disant blanches nous ont fait subir. Êtes-vous émerveillé avec la mort de Tutsi au Rwanda, que la mort de tout un continent qui avait été exploité, meurtri par la méchanceté et la cupidité des hommes venus d'ailleurs? Ceci me pousse à dire souvent que tout Africain qui est musulman et qui est chrétien est un idiot, est un stupide. Parce qu'il oublie ce que ces gens nous ont fait subir. L'Africain a oublié quand l'Arabe nous faisait marcher sur les dunes du Sahara, sous un soleil aride, pendant un climat hivernal, quand c'était l'hiver, transportant des fagots, nus, tabassés, insultés, violés et violentés. L'Africain a oublié tout ça. Et aujourd'hui, vous le voyez, arborant des barbes très sales, de sandales avec des pieds déchirés, il va à la mosquée. C'est un musulman. L'Africain a oublié tout ça. L'Africain a oublié que le pape Paratonceli avait signé ce code-là pour qu'on puisse coloniser, envahir l'Afrique et prendre nos terres, parce qu'ils nous considéraient comme étant des ennemis de Jésus-Christ, alors que nous n'avions rien à voir avec Jésus-Christ et on ne le connaissait pas. Aujourd'hui, merci Poutine a exposé toute la vérité. Ils ont toujours caché que le Jésus-là n'était pas un Jésus romain, n'était pas un Jésus des Européens, c'était un noir. Notre Jésus à nous.
qu'on a prétendu que nous étions son ennemi et ils étaient venus nous génocider. Mais aujourd'hui, des Africains amnésiques doivent aller au Rwanda pour caresser un filou qui a massacré ses propres frères. Qui était donc le provocateur? Qui était donc à l'origine la cause du génocide? Ce n'est pas toi, Kagame? N'eût été ta soif de pouvoir, n'eût été ta revanche d'avoir été en exil pendant longtemps, revenir et promouvoir la démocratie pour prendre le pouvoir comme vous le voulez, comme les Occidentaux qui te soutiennent le prétendent. Par contre, tu as choisi la voie de la violence pour t'emparer du pouvoir et créer la zizanie dans le Rwanda. C'est toi qui es la cause du génocide. La fois passée, donc, je parlais de 3 à 4 étapes de génocide. Sans pour autant faire de datation, eh bien, Kagame et ses troupes entrent à Kigali. Ils combattent l'armée loyaliste qu'ils ont défaite. Ils entrent à Kigali après que Kagame et ses troupes aient abattu l'avion présidentiel dans lequel se trouvaient Fait Juvenal Habyarimana et le président burundais Melchior Ndadaye. Les Hutus se vengent et s'attaquent aux Tutsis qu'ils suspectaient. Parmi eux, il y avait des sympathisants de Kagame et des informateurs. Ça, c'est le premier génocide, si l'on peut parler de génocide. Deuxième génocide, Kagame entre à Kigali, il embrigade les gens, Hutu et Tutsi, parce qu'il est assoiffé du pouvoir. Kagame et son front patriotique massacrent les gens sans distinction. Les Hutus et les Tutsis. Certains étaient emprisonnés dans des stades, dans des églises, il les a massacrés tous, lui et son armée. Deuxième génocide. Troisième génocide. L'armée loyaliste d'Habyarimana et la population apeurée traverse les frontières pour venir au Zaïre de l'époque. Après que cette même communauté internationale assoiffée, corrompue et complice ait fait des pressions au maréchal Mobutu qui était convalescent d'ouvrir les frontières et laisser entrer les Rwandais. Enfin, les Rwandais. Enfin, on peut parler même des Rwandais, parce que c'est tout le Rwanda de Hutu qui s'était déversé chez nous. Les espaces que les Rwandais avaient occupés n'étaient pas vides. Il y avait des Congolais qui habitaient là-bas, qui avaient leurs champs, leurs maisons, et ceci, cela, qui avaient accueilli ces gens. L'armée patriotique rwandaise les a pourchassés, poursuivis jusqu'au Congo, parce que l'armée congolaise avait abandonné Mobutu. Les Tutsis ont massacré la majorité des Hutus qui avaient fui au Congo à l'époque. Et un fait que j'ai souligné la fois passée, c'est qu'il y avait des avions qui étaient venus bombarder les réfugiés. Pendant que nous savions qu'à l'époque, l'armée d'Habyarimana n'avait pas des avions de combat. Où sont venus les avions de combat qui étaient venus bombarder les fuyards? Parmi les hauts gradés militaires qui commandaient les troupes rwandaises qui étaient venues au Congo, au Zaïre à l'époque, il y avait un certain commandant Hippo que nous appelons faussement aujourd'hui M. Joseph Kabila.
certains criminels. Ils ont abattu leurs compatriotes. Troisième génocide qui dépasse les deux premiers du Rwanda. Ils ne se sont pas arrêtés là-bas. L'armée patriotique rwandaise, ensemble avec l'armée de l'Ouganda et du Burundi à l'époque, sont entrés au Congo, au Zaïre, et truandé les Congolais. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça va faire 30 ans. Les estimations qui ne sont pas fausses des Congolais qui sont massacrés, c'est plus de 20 millions de Congolais. Le monde a passé l'omerta là-dessus. Parce que le plan, ce n'était pas de chasser Habyarimana au pouvoir. Le plan était de s'emparer des richesses, des immenses richesses au Congo. Avec l'aval de Bill Clinton, qui était président à ce moment-là, qui avait menacé Mobutu en disant à Mobutu, si tu ne veux pas démissionner, on va ramasser ton cadavre sur le riz de Kinshasa. C'est le même Bill Clinton qui a pillé les ressources d'Haïti et qui provoque la guerre en Haïti. Et puis, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tout est écrit. Il y a un gros livre écrit par un Américain intitulé « The Clinton Cash Cow ». Lisez le livre, je ne l'ai pas ici, ça se trouve chez moi, dans mon bureau là-bas. Où l'on dit tout. Donc, il y a eu 4 génocides consécutifs. Ce n'est pas seulement les génocides de Tutsi. S'il y a eu 500, 800 Tutsi qui sont morts, nous parlons de plus de 20 millions de Congolais. Que M. Kagame, ses troupes et ses complices tuent au Congo jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi le monde n'en parle pas? Et c'est par là que j'interpelle mes compatriotes congolais, que nous devons nous lever. Nous sommes seuls. Nous n'avons pas de partenaires. Nous devons nous relever et nous organiser partout où nous sommes et ne pas parler de la coopération avec l'Amérique, coopération avec la France, coopération avec la Belgique. Tout le monde qui avait été invité lors de cette messe noire à Kigali il y a 3 jours sont venus se présenter comme étant les bourreaux du peuple congolais. Et nous avons un président idiot, Félix Antoine Tshilombo, qui passe son temps à devenir Magellan, voyager partout à travers le monde, montrer combien il est grand de taille, combien il a ses joues gonflées comme des pastèques, combien il porte de belles vestes et des chaussures et des montres qui coûtent cher. Un type dépourvu de nationalisme et de patriotisme et qui a une grosse tête, qui a une vacuité incurable. C'est ça, Félix Tshisekedi. Complice, traître de ce quoi. Qu'est-ce que nous devons faire de lui? Nous devons le zigouiller, c'est tout ce que nous devons faire. Nous devons l'appréhender et le tuer parce que c'est un traître. En quoi est-ce que le Congo est lié au génocide rwandais? Nous n'avons pas attaqué le Rwanda, nous n'avions pas tué les Tutsis, nous n'avions pas tué les Hutus. Par contre, naïvement et sous pression, nous avions accueilli les Rwandais chez nous, comme ils ont toujours été chez nous, comme étant des affamés, parce que le Rwanda, c'est un pays de pauvres, c'est un pays de misérables et de minables, c'est un pays de menteurs, c'est un pays de prostituées, c'est tout ce que nous connaissons. Qu'est-ce qu'il y a au Rwanda? Pour qu'aujourd'hui, l'ancien président sud-africain, M. Thabo Mbeki, aille dire que non, il n'y aura jamais de solution dans cette guerre au Congo jusqu'à ce que on puisse déposer les armes et qu'on négocie, il faut qu'il y ait une solution diplomatique. Mais ça prouve combien il est nul dans sa tête. Ça prouve combien il est complice et corrompu.
qu'est-ce que nous avons à faire avec les génocides rwandais, nous les Congolais? J'avertis les gouvernements africains de faire très attention avec ce peuple qu'on appelle les Tutsis. Le Rwanda est peuplé de trois groupes ethniques, les Twa, qui sont les Pygmées, le peuple autochtone, les Hutus, qui sont des Bantous, et il y a des immigrants envahisseurs et agresseurs qui sont venus du haut du Nil, qui sont venus de l'Éthiopie et de l'Érythrée, et qui ont du sang arabe parce que c'est le sang de la méchanceté, qui s'appelle les Tutsis. Vous devez faire très attention quand un Rwandais vous approche. Les Rwandais, les Tutsis, c'est un peuple envié, un peuple jaloux, un peuple menteur, un peuple dont la psychologie est corrompue par l'envie et la jalousie. Spécialiste en calomnie, en mensonge, en tuerie, mais physiquement, ils ne sont pas forts. Ils vous utilisent les tactiques suivantes. La calomnie, le mensonge, le poison et la prostitution de leurs femmes qu'ils croient qu'elles sont les plus belles du monde. Des femmes dévergondées. Partout où ils viennent, faites très attention avec les Tutsis. Déjà, nous apprenons que le vice-président de l'Angola, c'est un Tutsi. Et les Angolais ne le savent pas. On avait attrapé un autre Tutsi au Bénin, qui était déjà au ministère, je ne sais pas, des Affaires intérieures ou de l'immigration. La deuxième femme du président de l'Afrique, de la République centrafricaine, c'est un Tutsi. Et toi, M. Sassou Nguesso, le président du Congo, Brazzaville, mon frère, tu fais la honte à ton âge. Tu cherches encore quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Tu avais tué Marie Ngouabi. Ça fait une quarantaine d'années que tu es au pouvoir. Tu n'as toujours pas dégusté les meilleurs du monde. Tu as le pouvoir, la gloire. Tu as fait tous les sexes du monde. Tu as eu des enfants. Comment tu peux te permettre de vendre de l'open de terre de tes confrères qui ne t'appartiennent pas, sans aval du Parlement, sans avoir du Sénat, sans avoir de chef coutumier de ce patelin-là. Mais tu fais la honte. Hein? Tout ça, c'est pour faire plaisir à ton petit-fils Macron. Macron vient te menacer que non, si tu ne m'aides pas, tu vas perdre le pouvoir ou je vais te tuer comme Idriss Déby au Tchad. Cela prouve que tu n'es pas normal. Comment un homosexuel comme ça peut être rwandais? Et tu vas vendre nos terres, nous, le Bakongo, nous, les Congolais. Sassou Nguesso. Tout ça, c'est pour que tu rapproches un ennemi plus près du Congo Kinshasa. Vous êtes en train de nous entourer pour nous étrangler. Vous ne réussirez pas. Je te parle en tant qu'un homme de l'Est. Nous sommes des guerriers et aujourd'hui, malgré tout le financement de l'Occident, les Ouazalendo sont là. Vous avez d'abord eu affaire au Maïmaï. La ramification de Maïmaï, c'est Ouazalendo. Et vous aurez d'autres ramifications. Si Kagame a une armée forte, pourquoi il n'a jamais été capable de battre les Maïmaï et les Ouazalendo? Un petit homme qui a des petites jambes comme des bâtonnets dans un tambour, avec son museau comme un chien, un mauvais anglais et une morphologie famélique. Ceci, c'est pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Pierre Mulele, de Kimpavita, de tous les martyrs congolais et de tous les Congolais qui se battent pour que la nation congolaise soit.
Bon après-midi, très chers frères et sœurs africains. Je vous reviens quelques jours après qu'une messe noire libellée commémoration du génocide se soit passée à Kigali, la capitale du Rwanda, sous le soi-disant leadership d'un criminel patenté appelé Paul Kagame. Vous m'avez demandé d'exprimer ce que j'avais dit pendant les deux interventions des jours passés. Vous m'avez demandé d'exprimer cela en français parce que nombreux parmi vous ne sont pas anglophones et ne comprennent pas la langue anglaise. Eh bien, parce que vous l'avez demandé, vous l'avez souhaité, je tâcherai d'être plus bref et de vous donner un résumé de quoi est-ce que je parlais il y a cela des trois jours. J'éviterai donc historiquement de mentionner les dates, mais par contre, je veux parler de faits comme ils se sont déroulés. Bon après-midi donc à vous tous. Et j'espère que vous vous portez bien malgré les vicissitudes de la vie. Je m'appelle Jemadari Vibikilkilele. C'est moi qui vous parle. Eh bien, Monsieur Paul Kagame, le tyran et le dictateur du Rwanda a invité presque le monde entier à venir sympathiser avec lui parce que c'est lui qui veut le pouvoir et le garder pour longtemps afin de commémorer ses 30 années de pouvoir qu'il déguise sous forme de commémoration du génocide et des gens ou de ses compatriotes qui sont morts, tués, assassinés et massacrés au Rwanda. Le monde doit savoir que ça n'a pas été une commémoration du génocide, mais plutôt ça a été une commémoration de la prise du pouvoir par force de M. Paul Kagame, avec un groupe de ses fidèles qui ont massacré leurs propres compatriotes et ils en ont tiré de gros bénéfices et ils continuent à en tirer. En intervenant contre le narratif de M. Paul Kagame, c'est une façon de le défier et de défier tous ses complices qui se sont mis à propager des mensonges, à nous forcer des mensonges et à maintenir ce mensonge qui demeure triomphant
dans les têtes des naïfs, des complices et des ignorants qui ne savent pas ce qui s'est passé ou qui ne veulent pas savoir ce qui s'est passé. Eh bien, dans mes deux dernières interventions en France, en anglais, je mentionnais que très souvent, lorsqu'il s'agit de guerres, de conquêtes, de civilisations, soi-disant civilisations, etc., la version qui souvent triomphe, c'est la version des gagnants, de ceux-là qui ont défait les autres. Tout simplement parce que les morts ne parlent pas. Quand on est mort, c'est fini. On ne peut plus se défendre, surtout qu'on ne peut plus se présenter devant une cour quelconque ou on ne peut pas rédiger un article pour contredire les accusations, le mensonge de celui qui prétend avoir raison. Ainsi, par exemple, et pour bon souvenir, j'avais dit que les deux premières guerres mondiales qui se sont passées, 1914-1918, 1940-1945, ont emporté beaucoup d'individus, beaucoup d'innocents, qui étaient de loin liés au conflit qui avait opposé ceux qui se sont appelés les alliés et les alliés qui ont opposé, qui ont appelé l'autre côté ou l'autre belligérant l'axe du mal. La version que nous avons dans des livres que nous apprenons aux écoles et que nous enseignons à nos enfants, c'est la version des victorieux, de ceux-là qui ont gagné, qui ont remporté la victoire, ceux-là qui ont gagné la guerre. Et c'est leur version que nous avons avalée, qui nous a été versée dans la tête. On parle alors du terme d'endoctrinement. Ils nous ont endoctriné leur version parce que ce sont eux qui ont gagné. Mais dès qu'on recherche plus profondément, on trouvera qu'il y a des soubassements, il y a des raisons cachées qui ont été à l'origine et à la base de ces deux grandes guerres mondiales qui se sont déroulées en Europe. Au fait, on ne pouvait même pas parler de la guerre ou des guerres mondiales parce que ce n'était pas la guerre des Africains ni des Asiatiques. C'était la guerre des Européens entre eux-mêmes. Et la deuxième guerre, surtout, était la guerre des trois cousins, comme l'Europe est gérée par des monarchies, des gens partageant le même sang, deux frères sanguins, ils sont des consanguins, ils se sont querellés et ils ont provoqué des guerres. Il y a donc beaucoup plus de raisons qui sont cachées, qu'on n'a pas dit au monde entier, qui ont été à l'origine de toutes ces guerres qui ont emporté beaucoup de vies humaines. Et le plus malin parmi les êtres humains, ceux qui toujours cherchent le profit dans chaque situation, quand ils trouvent une opportunité dans une situation, ils en profitent pour faire de l'argent, pour faire des bénéfices. Les armateurs vont vendre les armes. Les constructeurs de véhicules vont vendre les véhicules. Le média vont vendre
un discours qui est faux. Les compagnies pharmaceutiques vont vendre du médicament. Et les religieux vont raconter leurs histoires de leur Dieu qui ne peut pas protéger les gens, mais ils vont amener des prières pour chercher à adoucir les esprits de ceux-là qui sont affectés. Donc, quand il y a guerre, il y a opportunité de faire de l'argent. Et quand ceux-là qui veulent faire de l'argent ne trouvent pas d'opportunité, ils en créent. Ils créent des opportunités. La guerre, c'est donc une opportunité de faire de l'argent, de s'enrichir et de vendre ses marchandises. C'est ce qui se passe souvent. Les capitalistes aussi longtemps qu'il n'y a pas de guerre, ils ne sont pas contents. Aussi longtemps que notre vie, nous, l'humanité, est liée à la puissance de l'argent, eh bien, les guerres ne se termineront jamais. Le mal est que, et le bien peut-être, est que nous sommes tous mortels. Ceux qui veulent amasser trop d'argent sur le sang des autres, en bousillant la vie des autres, ignorent qu'ils sont mortels comme ceux-là qu'ils vont tuer, ceux-là qu'ils tuent, ceux-là qui sont pauvres, les misérables, etc. Nous sommes tous mortels. La mort, c'est un passage obligé. Qu'on soit riche, pauvre, super puissant, faible, qu'on soit suprémaciste comme la plupart des Européens qui s'appellent faussement de blancs, qui croient qu'ils sont supérieurs, ils sont une race supérieure par rapport à d'autres races. Qu'on soit noir, qu'on soit jaune ou vert, comme ils ont su catégoriser les êtres humains d'après leur philosophie de l'eugénisme, eh bien, nous mourrons tous. Et nous laissons tout ce que nous avons amassé. Nous rentrons, comme la Bible le dit, à la poussière, comme nous sommes venus de la poussière. Nous avons grandi comme étant des cadavres ambulants, grandissant, vieillissant, en attendant la mort. Quoi qu'on soit, je le répète, riche ou pauvre, grand détail, petit détail, race supérieure ou race inférieure, pays développé ou n'habitant pas un pays développé, nous mourrons quand même, nous mourrons tous. Alors, monsieur Paul Kagame souffre d'une boulimie politique. Et mentalement, il est déréglé. Il organise une messe pour se moquer des morts. Il a fait de ce génocide un fonds de commerce. Il invite le monde entier pour venir s'apitoyer au sort de Rwandais, et pas tous les Rwandais, et pas les Rwandais, mais au sort de seuls Tutsis. Au lieu que la souffrance de Rwandais
soit senti collectivement, il en a fait une propriété privée des seuls Tutsis, qu'il n'y a que les Tutsis qui sont morts. Comme quoi, les Tutsis, c'est une espèce en voie de disparition. Le monde doit s'y pitoyer et la protéger parce que les Tutsis, c'est une espèce en voie de disparition. Dans son discours qu'il a prononcé devant un aéropage des invités complices, il a eu le kilo de condamner le monde entier, que le monde avait abandonné le Rwanda au moment où le Rwanda avait besoin de ce monde. Ça, c'est scandaleux. Un bourreau qui accuse les morts, qui accuse ses victimes. Kagame se moque de morts rwandais et cherche à élever la valeur d'une seule tribu, les Tutsis. Pourtant, la souffrance devrait être collective. Les Tutsis, les Hutus, les Twa, les étrangers inconnus qui étaient pris entre deux feux au Rwanda à l'époque et qui ne pouvaient pas fuir ou qui ont cherché à fuir comme les autres avaient également perdu leur vie au Rwanda. Il n'y avait pas que les Tutsis, comme jusqu'à présent, comme nous parlons, le Rwanda n'est pas exclusivement un pays homogène, qu'il n'y a que des Tutsis. La situation est similaire à l'Allemagne de l'époque hitlérienne. Il n'y avait pas que les Juifs, quand on nous parle des Juifs que les nazis n'ont massacré que 6 millions de Juifs. Mais à l'époque en Allemagne, il y avait beaucoup de Noirs, malgré le racisme des Allemands. Mais il y avait la multitude des étrangers européens. Les Hongrois, les Français, les Anglais et tout ça qui vivaient en Allemagne, qui avaient perdu leur vie. Mais en fait, une seule communauté qui avait provoqué d'ailleurs la guerre, qui avait financé la guerre de Hitler, donc la communauté juive, a pris le courage de réclamer de réparation et de condamner les nazis qui les avaient massacrés. Mais je dis très bien que c'est le monde entier qui devait collectivement partager cette souffrance causée par les nazis à l'époque entre 40-45 en Allemagne. C'est une situation similaire au Rwanda avec Kagame. Kagame, c'est un nazi, c'est un descendant de Hitler dans sa peau, qu'il soit noir ou pas, mais l'esprit est le même. C'est le sang pour le sang. Alors, j'ai présenté la fois passée un livre écrit par une brillante femme canadienne qui s'appelle Judy River, qui était témoin oculaire et auriculaire de la tragédie rwandaise de l'époque. Bon, il n'était pas le seul, hein?
C'est peut-être lui qui a cette ferveur littéraire et qui a écrit le livre qui a été publié après. Bon, il y avait beaucoup de témoins, seulement nombreux sont incapables de pouvoir écrire ou n'ont pas ce talent, ou d'autres ont peur de donner leur témoignage oralement, de peur d'être massacrés par Messie. Paul Kagame et ses sbires qui circulent partout à travers le monde. Cette femme a décrit la tragédie avec détail de ce qui s'était réellement passé lors de l'entrée du Front patriotique rwandais à Kigali et Rwanda en général. Je l'ai dit dans mes deux interventions en anglais que Kagame, connaissant et lisant l'anglais, bien que son anglais soit de mauvais goût et de mauvais accent, parce qu'il parle un très mauvais anglais, Kagame n'a jamais démenti les accusations que cette femme a porté contre lui et contre son organisation militaire du Front patriotique rwandais. Le livre, une fois de plus, est là. Je le présente devant vous. En français, ça s'intitule L'éloge du sang. Ici, je n'ai que la version anglaise qu'un de mes fils m'avait envoyée du Canada. Il s'appelle Kibukile, qui m'avait envoyé ce livre juste quelques jours après sa sortie dans des librairies. L'éloge du sang. Kagame n'a jamais démenti ça. À cela s'ajoutent nombreux livres qui ont été publiés par notre confrère africain Charles Onana, tout ce que ces deux auteurs ont écrit et bien d'autres accablent M. Paul Kagame et son organisation militaro-terroriste du Front patriotique rwandais. Mais heureusement pour eux, ils sont défendus par un lobby international qui est pauvre et qui veut toujours s'enrichir. Ils se croient irréprochables, inégalables, et jamais ils ne seront traînés devant une cour comme il en a été le cas avec les nazis lors du procès de Nuremberg en Allemagne. Nombreux parmi vous, je pense, surtout la jeune génération ne connaît pas, mais ceux qui sont plus curieux et qui sont passionnés de la lecture peuvent facilement trouver des informations sur ce qui s'était passé à Nuremberg, en Allemagne, à l'époque, après la défaite de l'Allemagne. Kagame se croit intouchable. Il croit que ceux qui le soutiennent vont demeurer éternels. Ils auront toujours le pouvoir. Ils ne mourront pas. Ils vont demeurer intouchables. Et lui également, ainsi arrogamment, avec leur complicité, il sort devant les écrans, devant un aéropage, dire que le monde nous a abandonnés. Il pointe les doigts au monde. À l'époque, il avait pointé les doigts à la France. Mais pourtant, la France fait partie de ses complices qui attaquent et qui exploitent les Congos. Kagame montre aux yeux du monde que les Tutsis
on te massacrait seul. Ce qui est faux. Les statistiques que le média donne, tantôt c'est 500 000, tout de suite, tantôt c'est 800 000, tantôt c'est 1 million, etc. C'est du tâtonnement portant la tendance à mentir comme, ça y est, d'habitude, la première nature de Tutsi, c'est le mensonge, se mentir. Tutsi, et ceci doit, avec le temps, entrer dans le dictionnaire et forger un nouveau verbe. Tutsi signifiera mentir avec le temps. Tutsi, Tutsi, à l'infinitif, ça sera mentir. On a tué des Tutsi. Toute la population Tutsi est décimée. Combien était-il au Rwanda, les Tutsi, avant le déclenchement de la guerre? Est-ce que Kagame et ses complices peuvent nous donner des statistiques qui prouvent que il y avait, par exemple, 15 millions, 10 millions de Tutsi au Rwanda? Et après la guerre, combien sont restés? Que le monde doit protéger maintenant? Je ne me moque pas de Tutsi. Les Tutsi, ce sont des êtres humains comme moi. Je sais qu'ils sont, certains parmi eux sont morts, d'autres ont survécu. Mais si le génocide a eu lieu, qui en est l'auteur? Qui en est le provocateur? Qui en sont responsables ou qui en est responsable? Parce qu'on ne doit pas se voiler la face, tout simplement parce qu'on a, on détient le pouvoir et on voudrait imposer d'une manière dictatoriale sa version des faits au monde entier, comme si il n'y a que soit celle qui était témoin de ce qui s'était passé. Mais c'est pour Kagame. Mais les gens ont vu tout ce qui s'est passé. Malgré ta méchanceté, tu n'as pas pu éliminer tous les Rwandais, tu n'as pas pu éliminer le monde entier. Tu es un assoiffé du pouvoir. Mais il y a eu des yeux qui t'ont vu, il y a eu des oreilles qui t'ont entendu. Il y a donc des témoins oculaires et auriculaires qui un jour réécriront l'histoire du Rwanda, ce qui s'était réellement passé. Et ta version ne tiendra pas la route, monsieur Paul Kagame. Tu es un petit fou, un idiot utile que les Occidentaux utilisent pour humilier la race noire, pour humilier les Rwandais. Tu es un petit monsieur qui ne vaut absolument rien intellectuellement, matériellement, politiquement, tu ne vaux rien. Tu es un petit fou comme ton corps l'éprouve. Regarde-moi ça. Depuis que tu as commencé à piller le Congo, toutes les richesses que tu as amassées et que tu amasses, ça n'a pas transformé ta physionomie. Tu demeures un homme laid. You're not handsome. Tu demeures un homme laid, un maigrichon squelettique. On dirait que tu souffres de la tuberculose ou de corona. Tu fais quoi avec tout cet argent que tu amasses? Tu n'as pas développé
Le Rwanda, c'est un pays sale, à part deux artères que nous voyons là-bas où tu construis des maisons. Mais on ne le voit pas partout à travers le Rwanda. Mais c'est Kagame. Et tes gens, sûrement, tout l'argent que vous amassez, vous êtes en train de garder ça à l'extérieur en attendant qu'un jour, vous puissiez prendre fuite et aller vous réfugier ailleurs pour terminer vos jours en douceur. Tout ce que tu voles au Congo, ça ne se reflète pas totalement. Il n'y a que la petite capitale là-bas où il n'y a pas que toi qui investis, ce sont tes complices qui viennent construire des hôtels et ceci, cela. Ce n'est pas l'argent que tu voles du Congo. Alors, tu fais la honte de la race noire, tu fais la honte du panafricanisme, tu te comportes en un extraterrestre, tu n'es pas un Africain. Nous, les Noirs, après que nous ayons été maltraités par les Arabes pendant 13 siècles de la traite négrière, par les Occidentaux avec la traite transatlantique, tu deviens un nouveau bourreau pour massacrer les Noirs après que la démographie du continent africain se soit diminuée par la famine, la maltraitance et tout ça. Et toi, tu continues l'œuvre des colonisateurs et de l'esclavagiste. Monsieur Paul Kagame, tu es malade mental. Tu es totalement dérangé dans ta tête. Monsieur Paul Kagame. Alors, le génocide, comme cela s'explique en latin, c'est le massacre d'un grand groupe de gens, un massacre programmé avec but d'exterminer un groupe d'individus, d'ethnies ou de tribus. Je ne pense pas que les buts des Hutus étaient d'exterminer les Tutsis. Je ne pense pas. Parce que nous devons faire très attention avec l'utilisation du mot génocide. Genos kidere. Parce que tout le monde est dans les envolées quand il s'agit de mots génocide ou holocauste. En Allemagne, oui, les Allemands voulaient exterminer ces groupes de Juifs qui étaient et qui vivaient en Allemagne à l'époque. Ça, ce fut le génocide ou l'Holocauste. Parce que de cause à effet, ce qui était apparent était difficile d'analyser pourquoi les nazis ont tué ou massacré les juifs. Mais les études approfondies prouvent que Hitler s'était vengé contre la communauté juive parce que la communauté juive s'était accaparée du contrôle de l'économie allemande dans tout le secteur presque en utilisant des faux noms. À part ça, l'Allemagne étant un pays protestant, puriste, beaucoup de Juifs avaient transformé, par exemple, Berlin en un Hollywood de prostitution, etc. Je ne veux pas entrer trop dedans parce que ce n'était pas ça le point ici. Mais comme je disais, à l'entame de ce que je disais, il y a des raisons cachées qui ont fait que la guerre est liée. Dans les cas et les contextes
des Hutus et des Tutsis. Je le répète, le but des Hutus n'était pas d'éliminer tous les Tutsis. Le but des Hutus était de se venger contre l'invasion des envahisseurs exilés qui avaient tué leur président, leur leader, les Hutus étant la majorité. Alors, vous pouvez analyser maintenant et conclure que ce n'est pas un génocide, c'était une revanche de la majorité contre la force militaro-tutsi qui avait envahi le pays en ce moment. Parce que depuis longtemps, bien que la majorité Hutu régnait, mais il vivait toujours en bon terme. Les escarmouches ne peuvent pas manquer avec les Tutsis. Parce qu'il y a eu des intramariages entre les Tutsis et les Hutus et les Tutsis. Ça signifie qu'il y avait une certaine harmonie. Mais, après la mort du président Juvenal Habyarimana, vous les Tutsis, envahisseurs, assoiffés du pouvoir, ayant tué les leaders de la majorité, mais vous ne deviez que vous attendre à des représailles. C'est comme ça. C'est une logique normale. Et ceux qui tuaient, oui, il y a eu des innocents qui ont perdu leur vie, mais ceux qui tuaient visaient plutôt, et surtout, toi Kagame et tes amis qui étaient venus troubler la quiétude au pays. Donc, c'est pas tellement un génocide si l'on doit prendre, considérer le terme génocide dans le sens scientifique des mots. Avant-hier, j'ai expliqué que les mots génocide, le terme génocide a été utilisé pour la première fois par un juif d'origine polonaise, M. Raphaël Lamkin, qui était un avocat conduisant la délégation américaine qui était venue juger les nazis lors du procès de Nuremberg. En fait, je vais dire que pendant la guerre, il y a eu beaucoup d'Européens, des Juifs, qui avaient immigré aux États-Unis et qui avaient pris la nationalité américaine. Alors, Lamkin était parmi eux aussi. Étant intellectuel, avocat sur quoi, il avait conduit la délégation pour venir participer, si pas juger, ceux qui avaient tué sa communauté. Il était le premier à avoir utilisé ce terme de génocide. Je ne dis pas que c'est lui qui l'a inventé. Il était le premier dans le cadre juridique à utiliser ce terme de génocide. Et avec le temps, vers 1948, donc trois années après la fin de la guerre, les Nations Unies avaient adopté le terme officiellement et considéré que partout où il y a un groupe ethnique tribal qui est visé par un autre pour les exterminer, eh bien, on utilisait là le terme génocide. Eh bien, les Juifs sont allés plus loin en utilisant un terme plus supérieur que ça, en utilisant le terme holocauste. Et chez eux, ils appellent ça la Shoah. Ainsi, on doit faire attention dans l'utilisation du terme génocide. Eh bien, il y a eu plusieurs génocides au monde. Et avant-hier, j'ai donné quelques illustrations. Par exemple, récemment, il y en a eu en Chine, il y en a eu en Yougoslavie, avant le démantèlement de Yougoslavie, à Srebrenica, quand on avait exterminé les musulmans vivant cette partie là-bas. Vous savez que après le démantèlement de la Yougoslavie, le pays du maréchal Tito
a produit plusieurs pays. Ça produit la Bosnie-Herzégovine, la Slovénie, etc., etc. À peu près 5 à 6 pays après qu'on ait démantelé la Yougoslavie. Mais il y a eu génocide, et c'est vrai. Il n'y a pas longtemps, les Namibiens ont gagné un procès contre les Allemands, après que les Allemands aient exterminé nos frères namibiens, les Himba, et je pense les Nansa, sous la conduite d'un fou général allemand qui s'appelait général Trotta. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont gagné les procès, et je pense 2 siècles après, ou un siècle après. Il y a eu le génocide des Arméniens par l'Empire ottoman, un génocide qui a été reconnu presque un siècle après, il n'y a pas longtemps. Très chers frères et sœurs africains, que dire alors de la colonisation et de la traite arabo-musulmane et de la traite occidentale transatlantique? Vous appelez ça quoi? Ce sont des génocides, non? Les colonisateurs et les esclavagistes avaient génocidé le continent africain. Pourquoi nous ne voulons pas parler de ces génocides, mais on veut nous balancer au quotidien les génocides de la minorité Tutsi, alors que le continent africain est endeuillé depuis longtemps et les soi-disant intellectuels et les soi-disant juristes gardent le calme. Au lieu de réclamer de réparation, par contre, nous passons le temps à entrer dans des églises. Vous voyez des Africains qui se font passer pour des musulmans, des chrétiens, oubliant la maltraitance que ces hommes de couleur soi-disant blanche nous ont fait subir. Êtes-vous émerveillé avec la mort de Tutsi au Rwanda, que la mort de tout un continent qui avait été exploité, meurtri par la méchanceté et la cupidité des hommes venus d'ailleurs? Ceci me pousse à dire souvent que tout Africain qui est musulman et qui est chrétien est un idiot, est un stupide. Parce qu'il oublie ce que ces gens nous ont fait subir. L'Africain a oublié quand l'Arabe nous faisait marcher sur les dunes du Sahara, sous un soleil aride, pendant un climat hivernal, quand c'était l'hiver, transportant des fagots nus. Tabassé, insulté, violé et violenté. L'Africain a oublié tout ça. Et aujourd'hui, vous le voyez, arborant des barbes très sales, de sandales avec des pieds déchirés, il va à la mosquée. C'est un musulman. L'Africain a oublié tout ça. L'Africain a oublié que le pape Paratonceli avait signé ce code-là pour qu'on puisse coloniser, envahir l'Afrique et prendre nos terres parce qu'ils nous considéraient comme étant des ennemis de Jésus-Christ alors que nous n'avions rien à voir avec Jésus-Christ et on ne le connaissait pas. Aujourd'hui, merci Poutine a exposé toute la vérité, ils ont toujours caché que le Jésus-là n'était pas un Jésus romain, n'était pas un Jésus des Européens, c'était un noir. Notre Jésus à nous, qu'on a prétendu que nous étions son ennemi et ils étaient venus nous génocider. Mais aujourd'hui, des Africains amnésiques doivent aller au Rwanda pour caresser un filou
qui a massacré ses propres frères. Qui était donc le provocateur? Qui était donc à l'origine la cause du génocide? Ce n'est pas toi, Kagame? N'eût été ta soif de pouvoir, n'eût été ta revanche d'avoir été en exil pendant longtemps, revenir. Et promouvoir la démocratie pour prendre le pouvoir comme vous le voulez, comme les Occidentaux qui te soutiennent le prétendent. Par contre, tu as choisi la voie de la violence pour t'emparer du pouvoir et créer la zizanie dans le Rwanda. C'est toi qui es la cause du génocide. La fois passée, donc, je parlais de 3 à 4 étapes de génocide. Sans pour autant faire de datation, eh bien, Kagame et ses troupes entrent à Kigali. Ils combattent l'armée loyaliste qu'ils ont défaite. Ils entrent à Kigali après que Kagame et ses troupes aient abattu l'avion présidentiel dans lequel se trouvaient Fé Juvenal Habyarimana et le président burundais Melchior Ndadaye. Les Hutus se vengent et s'attaquent aux Tutsis qu'ils suspectaient. Parmi eux, il y avait des sympathisants de Kagame et des informateurs. Ça, c'est le premier génocide, si l'on peut parler de génocide. Deuxième génocide, Kagame entre à Kigali, il embrigade les gens, Hutu et Tutsi, parce qu'il est assoiffé du pouvoir. Kagame et son front patriotique massacrent les gens sans distinction. Les Hutus et les Tutsis. Certains étaient emprisonnés dans des stades, dans des églises, il les a massacrés tous, lui et son armée. Deuxième génocide. Troisième génocide. L'armée loyaliste d'Habyarimana et la population apeurée traverse les frontières pour venir au Zaïre de l'époque. Après que cette même communauté internationale assoiffée, corrompue et complice, ait fait des pressions au maréchal Mobutu, qui était convalescent, d'ouvrir les frontières et laisser entrer les Rwandais. Enfin, les Rwandais. Enfin, on peut parler même des Rwandais, parce que c'est tous les Rwandais de Hutu qui s'étaient déversés chez nous. Les espaces que les Rwandais avaient occupés n'étaient pas vides. Il y avait des Congolais qui habitaient là-bas, qui avaient leurs champs, leurs maisons, et ceci, cela, qui avaient accueilli ces gens. L'armée patriotique rwandaise les a pourchassés, poursuivis jusqu'au Congo, parce que l'armée congolaise avait abandonné Mobutu. Les Tutsis ont massacré la majorité des Hutus qui avaient fui au Congo à l'époque. Et un fait que j'ai souligné la fois passée, c'est qu'il y avait des avions qui étaient venus bombarder les réfugiés. Pendant que nous savions qu'à l'époque, l'armée d'Habyarimana n'avait pas des avions de combat. Où sont venus les avions de combat qui étaient venus bombarder les fuyards? Parmi les hauts gradés militaires qui commandaient les troupes rwandaises qui étaient venues au Congo, au Zaïre à l'époque, il y avait un certain commandant Hippo que nous appelons faussement aujourd'hui M. Joseph Kabila. C'est un criminel. Ils ont abattu leurs compatriotes. Troisième génocide qui dépasse les deux premiers du Rwanda. Ils ne se sont pas arrêtés là-bas. L'armée patriotique
rwandaise, ensemble avec l'armée de l'Ouganda et du Burundi à l'époque, sont entrés au Congo, au Zaïre, et truander les Congolais. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça va faire 30 ans. Les estimations qui ne sont pas fausses des Congolais qui sont massacrés, c'est plus de 20 millions de Congolais. Le monde a passé l'omerta là-dessus. Parce que le plan, ce n'était pas de chasser Habyarimana au pouvoir. Le plan était de s'emparer des richesses, des immenses richesses au Congo. Avec l'aval de Bill Clinton, qui était président à ce moment-là, qui avait menacé Mobutu en disant à Mobutu, si tu ne veux pas démissionner, on va ramasser ton cadavre sur le rue de Kinshasa. C'est le même Bill Clinton qui a pillé les ressources d'Haïti et qui provoque la guerre en Haïti. Et puis, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tout est écrit. Il y a un gros livre écrit par un Américain intitulé « The Clinton Cash Cow ». Lisez le livre, je ne l'ai pas ici, ça se trouve chez moi, dans mon bureau là-bas. Où l'on dit tout. Donc, il y a eu 4 génocides consécutifs. Ce n'est pas seulement les génocides de Tutsi. S'il y a eu 500, 800 Tutsi qui sont morts, nous parlons de plus de 20 millions de Congolais. Que M. Kagame, ses troupes et ses complices tuent au Congo jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi le monde n'en parle pas? Et c'est par là que j'interpelle mes compatriotes congolais, que nous devons nous lever. Nous sommes seuls. Nous n'avons pas de partenaires. Nous devons nous relever et nous organiser partout où nous sommes et ne pas parler de la coopération avec l'Amérique. Coopération avec la France, coopération avec la Belgique, tout le monde qui avait été invité lors de cette messe noire à Kigali il y a 3 jours sont venus se présenter comme étant les bourreaux du peuple congolais. Et nous avons un président idiot, Félix Antoine Tshilombo, qui passe son temps à devenir Magellan, voyager partout à travers le monde, montrer combien il est grand de taille, combien il a ses joues gonflées comme des pastèques, combien il porte de belles vestes et des chaussures et des montres qui coûtent cher. Un type dépourvu de nationalisme et de patriotisme et qui a une grosse tête, qui a une vacuité incurable. C'est ça, Félix Tshisekedi. Complice, traître de sur quoi? Qu'est-ce que nous devons faire de lui? Nous devons le zigouiller, c'est tout ce que nous devons faire. Nous devons l'appréhender et le tuer parce que c'est un traître. En quoi est-ce que le Congo est lié au génocide rwandais? Nous n'avons pas attaqué le Rwanda, nous n'avions pas tué les Tutsis, nous n'avions pas tué les Hutus. Par contre, naïvement et sous pression, nous avions accueilli les Rwandais chez nous, comme ils ont toujours été chez nous, comme étant des affamés, parce que le Rwanda, c'est un pays de pauvres, c'est un pays de misérables et de minables, c'est un pays de menteurs, c'est un pays de prostituées, c'est tout ce que nous connaissons. Qu'est-ce qu'il y a au Rwanda? Pour qu'aujourd'hui, l'ancien président sud-africain, M. Thabo Mbeki, aille dire que non, il n'y aura jamais de solution dans cette guerre au Congo, jusqu'à ce que on puisse déposer les armes et qu'on négocie, il faut qu'il y ait une solution diplomatique. Mais ça prouve combien il est nul dans sa tête. Ça prouve combien il est complice et corrompu. Qu'est-ce que nous avons à faire avec les génocides rwandais, nous les Congolais? J'avertis le gouvernement africains de faire très attention avec
ce peuple qu'on appelle les Tutsis. Le Rwanda est peuplé de trois groupes ethniques, les Twa, qui sont les Pygmées, le peuple autochtone, les Hutu, qui sont des Bantous, et il y a des immigrants envahisseurs et agresseurs qui sont venus du haut du Nil, qui sont venus de l'Éthiopie et de l'Érythrée, et qui ont du sang arabe parce que c'est le sang de la méchanceté, qui s'appelle les Tutsis. Vous devez faire très attention quand un Rwandais vous approche. Les Rwandais, les Tutsis, c'est un peuple envié, un peuple jaloux, un peuple menteur, un peuple dont la psychologie est corrompue par l'envie et la jalousie. Spécialiste en calomnie, en mensonge, en tuerie, mais physiquement, ils ne sont pas forts. Ils vous utilisent les tactiques suivantes. La calomnie, le mensonge, le poison et la prostitution de leurs femmes qu'ils croient qu'elles sont les plus belles du monde. Des femmes dévergondées. Partout où ils viennent, faites très attention avec les Tutsis. Déjà, nous apprenons que le vice-président de l'Angola, c'est un Tutsi. Et les Angolais ne le savent pas. On avait attrapé un autre Tutsi au Bénin, qui était déjà au ministère, je ne sais pas, des Affaires intérieures ou de l'immigration. La deuxième femme du président de l'Afrique, de la République centrafricaine, c'est un Tutsi. Et toi, M. Sassou Nguesso, le président du Congo, Brazzaville, mon frère, tu fais la honte à ton âge. Tu cherches encore quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Tu avais tué Marie Ngouabi. Ça fait une quarantaine d'années que tu es au pouvoir. Tu n'as toujours pas dégusté les meilleurs du monde. Tu as le pouvoir, la gloire. Tu as fait tous les sexes du monde. Tu as eu des enfants. Comment tu peux te permettre de vendre de l'open de terre de tes confrères qui ne t'appartiennent pas, sans aval du Parlement, sans avoir de Sénat, sans avoir de chef coutumier de ces partenaires-là. Mais tu fais la honte. Hein? Tout ça, c'est pour faire plaisir à ton petit-fils Macron. Macron vient te menacer que non, si tu ne m'aides pas, tu vas perdre le pouvoir ou je vais te tuer comme Idriss Déby au Tchad. Cela prouve que tu n'es pas normal. Comment un homosexuel comme ça peut être rwandais? Et tu vas vendre nos terres, nous, le Bakongo, nous, les Congolais. Sassou Nguesso. Tout ça, c'est pour que tu rapproches un ennemi plus près du Congo Kinshasa. Vous êtes en train de nous entourer pour nous étrangler. Vous ne réussirez pas. Je te parle en tant qu'un homme de l'Est. Nous sommes des guerriers et aujourd'hui, malgré tout le financement de l'Occident, les Ouazalendo sont là. Vous avez d'abord eu affaire au Maïmaï. La ramification de Maïmaï, c'est Ouazalendo. Et vous aurez d'autres ramifications. Si Kagame a une armée forte, pourquoi il n'a jamais été capable de battre les Maïmaï et les Ouazalendo? Un petit homme qui a des petites jambes comme des bâtonnets dans le tambour, avec son museau comme un chien, un mauvais anglais et une morphologie famélique. Ceci, c'est pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Pierre Mulele, de Kim Pavita, de tous les martyrs congolais et de tous les Congolais qui se battent pour que la nation congolaise soit.